On a été tous touchés, frappés par ce qui s'est passé à Paris. Le fait qu'on ait décimé la rédaction de Charlie Hebdo. Nous, enseignants, syndicats et même citoyens, on se mobilise pour marquer notre solidarité devant ces événements qui sont puissants, mais qui sont incroyables. On a du mal à réaliser. On est touchés. Moi, Charlie Hebdo, j'ai grandi dans les années 80 avec Cabu. Bernard Marie, c'est un économiste humaniste qui est parti aussi, qui a été descendu. Enfin, c'est incroyable. On est venu un peu se recueillir, se rassembler. Et voilà quoi. Et on ne veut pas que la mort gagne, parce que c'est ça en fait. C'est des gens, c'est des dégénérés, c'est des tueurs. Et Charlie Hebdo, c'était que la vie, c'était la liberté d'expression, c'était la liberté de penser, coûte que coûte. Et on ne veut pas que la mort gagne. Et on est tous un peu révoltés, émus, abattus de ces événements-là. C'est incroyable. Voilà, on est rassemblés là pendant quelques heures. On parle, on discute, on se rapproche, on parle des revues qu'on a lues, des différentes personnes qui sont parties malheureusement, des dessins de Cabu, des combats de ces militants. Parce que les journalistes de Charlie Hebdo, c'est d'abord des militants. Des militants de la démocratie, de la liberté, le bien-être, le vivre ensemble. Et voilà, on est en train de se recueillir ensemble et autour de la statue. Aujourd'hui, on est tous des Charlie.